L'engagement du centre du corps en Pilates. Bonjour, c'est Fabien du programme 66 Pilates, un programme d'entraînement en vidéo pour sculpter et affiner votre corps chez vous. En Pilates, on entend souvent parler de centrage, powerhouse, ou centre d'énergie, ou encore corps. Tous les mouvements partent de là, le centre du corps. L'engagement des muscles profonds du tronc aide à contrôler et à stabiliser nos mouvements. Il comprend le plancher pelvien en bas, le transverse en avant et les muscles du dos en arrière. Un centre du corps favorise une meilleure coordination musculaire. Vous contrôlez mieux ce que vous faites. L'objectif du Pilates est donc de renforcer ce centre. C'est la raison pour laquelle l'engagement de ce centre est présent dans tous les mouvements. Faisons un exercice ensemble. Comment engager ce powerhouse? Placez-vous debout, les mains autour de votre taille. Imaginez vos mains comme une ceinture. Cette ceinture est composée de 10 crans. Inspirez par le nez et allongez la colonne vertébrale. Expirez par la bouche. Commencez à serrer légèrement le plancher pelvien. Pour engager sa contraction, c'est très simple. Imaginez que vous tentiez de retenir un gaz, tout simplement en serrant l'anus. Déplacez cette sensation en direction de l'os pubien, comme si vous tentiez de retenir une envie d'uriner. Continuez à expirer et resserrez votre ceinture imaginaire, donc la taille de 10 crans. Inspirez en gonflant la cage thoracique. Expirez, engagez le plancher pelvien et resserrez la ceinture, cette fois-ci de 5 crans. Rentrez le ventre en commençant par le bas. Inspirez de nouveau et expirez en resserrant la taille de 3 crans. Tirez les muscles du plancher pelvien vers l'intérieur comme une fermeture éclair qui remonte. Maintenez cet engagement du centre, quelques respirations. Parfait! Vous savez maintenant comment engager votre centre avant chaque exercice de Pilates. Peu importe la position, debout, à quatre pattes, couché sur le dos ou sur le ventre, le protocole est le même. Avec l'entraînement, vous observerez que vous n'aurez plus à activer ce centre activement. Les muscles s'engageront automatiquement. Dans un cours de Pilates, dès que vous perdez l'engagement de ce centre, il faut arrêter l'exercice. Dans le programme 66 Pilates, je vous donne différents niveaux d'intensité pour un même exercice. Vous ne pouvez passer qu'au niveau suivant seulement si le centre du corps est entièrement mobilisé et stabilisé. Objectif final, eh bien, préparer le corps à réagir inconsciemment et automatiquement à tous les efforts de la vie quotidienne. Un entraînement régulier en Pilates améliorera la qualité de vos mouvements dans les activités quotidiennes. Pour les sportifs, maîtriser cet engagement du centre est très important. Au studio, eh bien, j'ai un cours de préparation physique le samedi matin. Ce sont des séances du programme 66 Athlétique. Eh bien, on ne peut pas intégrer ce cours tant que l'on n'a pas fait au moins 10 séances de Pilates. C'est essentiel si l'on veut protéger sa colonne lombaire et être performant dans les mouvements. Vous pouvez faire autant de squats ou de pompes que vous voulez si vous n'avez pas un centre du corps fort, cela ne sert à rien. Je vous invite maintenant à découvrir le programme 66 Pilates pour apprendre à vous connecter avec cet engagement du centre du corps. C'est un programme en vidéo pour pratiquer facilement le Pilates chez soi. Vous pouvez tester la première séance de ce programme, vous avez le lien juste ci-dessous. On commence dans cette première séance à mettre en place quelques fondamentaux de la méthode Pilates. C'est un programme parfait pour apprendre à pratiquer le Pilates à la maison. Vous avez également le lien vers le programme complet. Alors, le Pilates, c'est quoi? Voici une petite définition. Eh bien, c'est une méthode de renforcement musculaire basée sur l'entraînement des muscles profonds. On renforce le dos, on tonifie le ventre, on améliore la posture, la respiration et l'équilibre. On augmente la qualité de tous ces mouvements, que ce soit dans son sport ou dans la vie de tous les jours. Et en plus, on dessine sa silhouette. Du tonus, une allure ferme et galbée.
Cliquez simplement sur le lien ci-dessous pour tester cette séance. Je vous dis à tout de suite pour votre premier entraînement.